Alors, pour démonter le roulement de roue, de moyeu, je veux dire, mettez sur cric, vous levez un peu, pour que la roue reste au contact au sol. Donc j'ai enlevé l'enjoliveur pour pouvoir avoir accès à l'écrou de cardan. Mais comme je suis tout seul, qu'il n'y a personne qui peut appuyer sur le frein et tout, je laisse la roue. Voilà, c'est-à-dire que c'est elle qui va me freiner. Comment dire, pour éviter de mettre une vitesse, ça va me freiner le moyeu, comme ça je peux desserrer l'écrou de cardan tout seul. Donc là, du coup, c'est un écrou de 41. Ah bon, bah c'est une vieille clé que j'irai pas, vous voyez, c'est soudé. Donc c'est un écrou de 41. Faut prévoir une bonne rallonge. Donc du coup, voilà, je rajoute un tube au long de ma clé. Desserrage. Voilà, là c'est bon, c'est desserré. Ok. Donc là, je vais pouvoir desserrer ma roue et tout remettre en hauteur. Donc là, j'ai relevé le cric. Hein. Hop. Alors du coup, prochaine étape, il va falloir démonter l'étrier. Et essayer de retenir le cardan parce qu'il faut surtout pas le déboîter. Ah, par contre, si vous n'êtes pas au congélateur, pour mettre le roulement, vous pouvez vous faire une presse manuelle comme ça. Et vous avez le roulement ici, là c'est qu'un exemple. Vous avez le roulement ici, une tige filetée, qui traverse derrière. Bon, bah là j'ai calé avec toutes les ferrailles qui traînaient. Voilà, donc en serrant les deux écrous, il faut y aller pleine balle, hein, vous pouvez rentrer le roulement sans taper dessus. Voilà, c'est pour vous montrer comment que c'est fabriqué. Voilà. Ça, vous faites une grosse rondelle. Poussez le roulement au moins jusqu'ici. Oui, jusqu'ici. Mais après, le roulement doit rentrer encore dans une gorge d'un centimètre à peu près. Donc c'est pour ça que j'avais récupéré une pièce comme ça. Voilà, pour pouvoir le pousser jusqu'au bout en bas. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà.
Là, vous avez le moyeu. Donc pour ça, j'ai récupéré des gros bouts de ferraille pour pouvoir serrer librement, pour pouvoir que ma clé passe ici. Bon, une fois que le roulement est bien installé, bon, il reste froid, hein, bah, c'est normal, il reste au congèle. Donc maintenant, on va mettre l'axe moyeu dedans. Donc l'axe moyeu, c'est pareil, il est au congélateur depuis 24 heures. Par contre, comme lui, c'est froid, il n'est pas assez dilaté pour pouvoir que ça passe. Donc soit vous utilisez un chalumeau, moi je suis pas trop pour. Autrement, vous utilisez un décapeur thermique, comme ça. Voilà. Vous chauffez votre axe. Votre roulement, je veux dire, en pendant que l'axe reste au congélateur, histoire qu'il prenne une bonne chaleur. Donc après, comme ça, vous avez le trou, c'est-à-dire la bague IR, c'est la bague intérieure du roulement, va se dilater, va s'écarter, mais c'est en dixième de millimètre, mais ça va tout changer pour mettre l'axe. Donc vous le chauffez comme ça, faut qu'il soit presque bouillant, hein, quasiment bouillant. Donc là, bon, faut y passer au moins 5-10 minutes, je pense. Une fois qu'il est bien chaud, vous descendez vos axes du congélateur. Et après, on va essayer d'encastrer ça. Bon. Là, la pièce commence à être chaude. Alors du coup, je vais y rajouter un peu de graisse. Ce sera beaucoup plus facile à mettre dedans. Et l'avantage de mettre de la graisse, si un jour vous avez besoin de redémonter, bah déjà ce sera plus facile parce que ça va éviter la corrosion. Ça va éviter la rouille, ça va éviter que l'axe sera collé. Vous n'hésitez pas en graisse. Hein. Alors de la graisse, j'en mets aussi carrément sur le roulement et sur le clips. Voilà. Bon, j'ai été chercher l'axe au congèle. Voilà. Il faut essayer d'enlever. Oui, il y a du givre. Il faut essayer de l'enlever, ça, par contre. Donc là, il est bien froid. Hein. On voit bien. Ça fume un petit peu. On voit peut-être pas la caméra, mais ça fume. Voilà, l'axe est bien gelé. Je mets un petit coup d'huile dessus, histoire d'aider. Alors on va essayer de rentrer ça gentiment. Voilà. Essuie un peu l'huile, ça va en avoir 10 tonnes non plus. Matériel. Donc là il rentre bien, hein. Pas mal. Bon, je suis désolé pour la caméra, mais ah tiens pour le choc de vibration. Donc là on voit que mon machin en fait. Il est pas assez costaud en ferraille. Donc là, j'ai pas l'air d'être mal. Donc je serais bien embuté, je pense. Ouais, parce que ça c'est une cale de 15 mm. Donc je sais que avant de démonter, j'avais regardé, fallait 15. On voit à l'intérieur, on a que c'est bien rentré.